Deuxième étape du Tour de France avec l'équipe Omega Pharma Quick Step. Alors, nous partons de York, nous allons à Sheffield. Le favori du jour, Alessandro Valverde, est à passer les vallonnés, vous pouvez le voir. Donc, je suis dans la juste après le sprint intermédiaire. Alors, si vous voulez voir les résultats, écoutez, parce qu'en fait, les coureurs ont ralenti le tempo. Il va se passer quelque chose. Moi, je suis passé 3ème et 4ème. Donc, les classements. Démarrage du Belge, Maxime Montfort. Attaque. Alors, moi, je suis le quatrième favori, je crois, avec Michel Kiatowski. Je vais essayer de être les dixièmes classements général. Voilà. Mais quoi, c'est un encore un peu tôt. Donc, dans l'échappée, une autre fois, parce que t'en as deux, et Michael a classé le bon coup. Merci. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Jamais on aurait que ça. Ah non, non, non. J'ai essayé de m'échapper par les écrans. Impossible de me viser ça. Il ne veut pas. L'écart entre la tête de course et le peloton est de plus de 2 minutes.
Bon, allez, on va en profiter pour aller un peu plus loin de la descente. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Ouais, je comprends, ça va revenir. Une chute au sein du peloton. La sélection par l'arrière se poursuit. Encore des coureurs qui se font lâcher. Le peloton réduit l'écart avec l'échappée. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Le peloton réduit l'écart petit à petit.
Allez, dis donc. Le rythme imposé est vraiment très fort. On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir. Attaque en tête de la course! On nous signale l'attaque de Fabian Cancellara. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme.
Nous sommes à 15 km de l'arrivée. Contre à l'instant de Quintana. Encore une attaque, peut-être l'échappée décisive. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Ça se bagarre à l'avant. Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape.
Victoire en solitaire et en costaud de Fabien Cancellara. Bien accès. Voici maintenant les meilleurs moments de la course que nous vous avons sélectionnés. Alors. Mais pas d'écart. Sur ce, à la prochaine pour la troisième étape, et puis ciao, espèce d'enculeur d'arbre.